suis désolée pour hier. Quand j'ai vu son corps à la morgue, je sais pas, j'aurais pas dû craquer. Non, t'aurais pas dû. Hélène n'avait pas besoin de te voir chialer sur le corps de son mari. Tu crois que je l'ai fait exprès? Tu me prends pour une conne? Mais elle savait déjà que tu baisais, je te croyais plus maligne. Si t'avais besoin de jouer la pète à son manque, t'aurais pu faire ça en dehors de la famille. C'est pour ça que ouais, ces Tony me font la gueule. Et gonflé quand même d'être venu. Hein. Jiménez, il est au courant? Non. Je sais pas, mais je suis pas sûr qu'il la laisserait venir ce soir s'il savait. On devrait peut-être lui dire. Ta gueule. Jiménez, c'est Gestapé rigolant et c'est tout ce qu'il a besoin de savoir. Ouais, mais tu crois pas mais que. Quoi? Aurore a toujours été des nôtres, pas toi. Alors tu l'aimes en veilleuse. Hein. Elle a peut-être fait une connerie, mais ce soir on a besoin de tout le monde. J'ai plus personne à part vous. C'est pour ça que j'ai rien dit. Je savais quoi, ça aurait jamais compris. Mais ouais, ça a des principes. Non. Il a un balai dans le cul. Mathias, c'était tout pour moi. Ça, ça vous fait chier. Non, c'est toi qui fais chier, Aurore. Fais ce que tu veux avec ton cul, j'en ai rien à branler. Mais arrête de jouer les victimes. J'ai besoin d'un flic, pas d'une pisseuse. C'est impeccable. Depuis quand tu portes ça? C'est rien. C'est juste un vieux bijou que ma tante m'a offert. Elle pensait que ça me protégerait. Je sais ce que vous allez faire. C'est pas ce que tu crois. Oui, c'est, mais ne mens pas. Pas toi. Je sais ce que vous allez faire. J'ai déjà perdu mon mari. Je vais perdre ma famille. Écoute-moi bien, Wilson. T'es le seul en qui j'ai confiance. Je veux que tu me promettes une chose. Promets-moi de les ramener tous. Ça et sauf. Dis-le. Je te le promets. T'es pas au courant pour Aurore? Te fous pas de ma gueule, s'il te plaît. T'avais peut-être baisé les mêmes putes pendant 20 ans, mais je connaissais mon mari mieux que toi. Écoute-moi bien, Franck. T'es le seul en qui j'ai confiance. Alors je veux que tu me promettes une chose. Promets-moi de tuer les salauds qui ont fait ça. Promets-moi de les tuer tous. Au dernier. Quoi vous parlez? Ça
Ton rouge. Quoi ? Je sais pas de quoi vous parlez. C'est pas répété, du con. Ils sont où les Marcoudi ? Je sais pas de quoi vous parlez. Ils sont où les Marcoudi ? Hein ? Je sais pas de quoi vous parlez. Où ils sont ? Maintenant vous dégagez les merdes, y'a rien à voir. Ça fait deux jours qu'ils se planquent. Où ça? C'est pas moi qui leur ai donné Rivalent. Tu te fous de notre gueule? Quartier Nord. Quoi? Les quartiers Nord. La cité de Charonne. C'est là-bas qu'ils squattent avec leurs hommes. Rivalent. C'était notre frère. Et les Marcoudi l'ont laissé crever comme un chien. Alors je veux pas des tas d'âmes. Ce soir, je veux que ces fils de pute se sentent humiliés. Ce soir, je veux qu'ils implorent notre pitié à genoux dans leur chiasse. Attends, mais je croyais qu'il y avait personne là-dedans. On va se faire repérer, là. On s'en fout. On rentre, on fait le ménage et on bute tout ce qui nous empêche de sortir, c'est clair? Vas-y, toi, rentre chez ta mère, bâtard. On n'est pas venu là pour faire un carnage. Ça va? T'as la conscience tranquille? Mais je crois que t'as pas bien compris. On n'y arrivera pas sans mettre les mains dans la merde. On est venu chercher les Marcoudi, et seulement les Marcoudi, je te rappelle. Ça, oui, bien, je le sais. N'oublie pas pourquoi on est là. Ce soir, on est venu faire un carnage. On y va, là ! Hein ? Les enculés, c'est eux. Te trompe pas. Mais maintenant, on n'a plus le choix. Et je vous jure, quand on les aura serrés, même leur putain de mère ne les reconnaîtra pas.
calme. Hey, vous faites quoi là? T'es qui toi? Oh, et tout doux, tout doux. Tout doux, je suis le gardien. Enfin, j'étais, hein. Y a plus grand chose à garder dans ce taudis. Et vous? Vous faites une descente? L'air à s'accroître du dernier étage, c'est ça? Ils sont combien là-haut? Je sais pas, 7, 8 peut-être. Et je compte pas tous les petits cons qui tournent autour de l'immeuble. Hein. Y a d'autres personnes à l'étage? Ah non. Ils vont raser tout le bâtiment, vous savez. Ces putains de bourges là, ils font tout pour que les gens s'en aillent. Il y a bien quelques familles, mais ils ont pas de quoi partir. Je vous jure, si on m'avait dit qu'en France, on verrait des trucs pareils. C'est bon, rentre dans ta loge, tu nous as jamais vus. Et dégage. Ouais, pour qui ce. C'est un immeuble, merde. De chaque côté. Personne ne bouge avant mon signal. On va leur apprendre la Marseillaise. Je vais pas les louper! Mais casse-toi tout de suite! Faites-moi confiance! C'est mieux que vos petits pétards! T'as qu'à te faire avoir! Putain, je vais me les faire tout. Non. Allez, avance. Ah. Allez, avance. Pas bien là. Dépêche. Tu descends et tu préviens les autres.
vous laisser rentrer personne dans cette putain de tour. Personne. Lâche-moi, fils de pute. Lâche-moi. Fermez ta gueule, toi. Non, non. Je t'ai dit de fermer ta gueule. Regarde-moi. Regarde-moi, je te dis. Qu'est-ce que vous faites là? Vous êtes combien dehors? Regarde-moi. Regarde-moi, je te dis. Vous venez chercher votre indice de merde, c'est ça? Hein? C'est lui que vous êtes venu chercher? C'est lui que t'es venu chercher, enculé? Paula, mon costard! Merde, je suis pas ta femme de ménage, moi! Alors, ça, vous êtes de base, t'as tué dans le sein, hein? Tu vas arrêter de me faire chier, toi. Je comprends pas ce que tu dis. Tu peux dire ce que tu veux, je comprends pas. Alors, arrête, s'il te plaît. Ferme ta gueule! Merde! Lâche-le! Je veux finir comme ça, c'est ça que tu veux? Regardez-vous les poulets, là. Vous êtes venus à quatre avec vos petits flingues de merde. Et vous croyez qu'on va se laisser faire? Les flics chez nous, on les pendait par les couilles avant de leur pisser dessus. Alors qu'est-ce que tu vas faire, toi, hein? Qu'est-ce que tu peux... Voilà! Ils sont pas venus seuls. Moi, je dis qu'il faut se casser avant que les renforts nous tombent sur le point de la gueule. On bougera pas d'ici. Tant que ces fumiers nous auront pas dit ce qui nous attend dehors. C'est la merde là-haut, on barricade tout! Mais laisse tomber, on n'a pas le temps! Ils parleront pas, je te dis. Il a raison, faut qu'on les fume maintenant! Maintenant, faut qu'on les fume! Mais arrête, y'a personne dehors! On est venu seul! Tu te fous de moi ? Tu te fous de moi ? Vous avez ramené tout le commissariat ou quoi ? Réponds. Qui c'est, pauvre con? Agite ton flingue, ça t'excite, mais ça changera rien. On est venu seul. On voulait que tu paies pour y voir leur fils de pute. Bute-le. Bute-les tous. Tous. Thank you.
C'est quoi ce bordel, putain? Je voulais le fumer, putain! Comment elle a pu se relever, merde? Comment? Oh!
Ils ont bouffé le check, putain. They want come choppers. Voilà. Voilà. Des noms qu'on calme, on vient. La voie est libre. On ferait mieux d'en profiter. Pour faire quoi? T'as vu ce qu'ils ont fait au check? Ils ont bouffé la moitié de la gueule, putain! Fais pas ta grossesse, Baudin. Faut juste leur péter le caisson. Y'a rien à faire, putain! Y'a rien à faire, je vous dis. C'est juste mon dernier. Vous avez bien regardé. Une main, il défonce une porte. Le coup de mâchoire, il t'arrache les tripes. Et si on leur tire dessus, ils se relèvent. On peut pas les tuer, ils sont déjà morts, bordel! Ils sont des milliers en bas de cette tour. C'est foutu. Quoi qu'on fasse, c'est foutu. On est condamnés, vous voyez pas qu'on va tous crever? On va tous crever, bordel! Tais-toi, putain! Vous faites ce que vous voulez, nous on se casse. Ah ouais? Et tu vas descendre l'immeuble en rappel? La seule sortie, c'est celle-là. Ça va être la foire au cadavre sur 15 étages. Tu peux me dire comment tu vas t'en sortir? Les écoute pas, Adé! Viens, on se casse, putain! Écoute-moi bien, Marcoudi. Y'a que toi, ton frère et le Tintello. Vous êtes trois. Et vu l'état de tes larmes en bas, je donne pas cher de votre peau. Tu sais qu'ensemble, on a une chance. Bah ouais, c'était malade! Où est-ce que tu fais, bordel? Je voulais déjà vous mettre d'accord. Attends, tu peux pas faire ça! Toi! Où est-ce que... Ta gueule! On est d'accord. Écoute. Je suis pas ton pote. Et pour tout te dire, qui passe ou pas, je m'en branle. Ce que je veux, moi, c'est sortir d'ici vivant. Mais je sais qu'on a plus de chance avec vous. Alors, soit vous y trouvez votre compte, soit tout se termine ici et maintenant sur ce putain de toit de merde. On n'a pas le temps de réfléchir, Marcoudi. On descend ensemble. Et après, c'est chacun de son côté. Mais chacun de son côté, se fout ta gueule, Adé.
Ta copine, là, elle sait tenir une arme. Mais t'inquiète pas pour moi. Besoin d'armes et de médicaments. T'as ça dans ta planque? Des armes, c'est certain. Pour le reste, va falloir que tu te démerdes. Plus personne. Ils ont embarqué le corps dans les ménages. Aide-moi. Arrête de faire chier avec tes remèdes de grand-mère, là. Ton pote ira beaucoup mieux avec ça. Arrête, ouais. Putain, tu me fais mal. C'est pas con ce qu'il dit. Je sentirai vraiment la douleur avec ça. Sûr. Tu vois, ton pote sait ce qui est bon pour lui. Tu vas où? Je reviens. Repose-toi. Oh, mollo, mec. Putain, il est pire que toi, cet enfoiré. Pourquoi ta femme pacte avec ces ordures? Je sais que ça te plaît pas. Moi non plus, mais on n'a pas le choix. T'as vu dans quel état est Tony? C'est des conneries, Wes. Ces fils de pute vont nous planter à la première occasion. Tu nous mets dans la merde, là. Quoi? Non mais attends, jusqu'à preuve du contraire, c'est toi qui nous a foutu dans la merde. C'est toi qui baisais Rivoleur, non? C'est toi qui l'appelais tous les soirs pour chialer sur ton sort. T'avais besoin de lui balancer que t'étais en cloque le jour où il devait serrer ses fils de pute? C'est Tony qui t'a dit ça? On s'en fout, Aurore. C'est toi qui lui as enfumé la tête. Maintenant, regarde dans quelle merde tu nous as foutus. Hé, hey, quand vous aurez fini, on pourra peut-être se barrer d'ici. C'est toi qui connais les lieux. Tu sais comment nous sortir de là? Faut qu'on évite les traînées de sang. C'est ça ton plan? Au cas où t'aurais pas remarqué, c'est de la tôle rouillée cette barre. L'ascenseur dépasse pas le quatrième. Les balcons sont trop raides. Et ces enfoirés n'ont jamais remplacé l'échelle de service. Tu vois la merde? Y'a une meilleure idée, le flicard? C'est bien ce que je pensais. Thank you.
Attends. Il y en a peut-être dans le couloir. Il y en a peut-être dans le couloir. Baltringue. On se casse, Joe. On se casse. Allez, on se casse. Attends. T'inquiète pas pour lui. Come on.
Tu ferais quoi sans moi? Au revoir, Tony! Allez les chercher! Laisse tomber, c'est fini! C'est fini, je te dis! Je connais ces cris par cœur! Vas-y. Vas-y, qu'est-ce que t'attends? Deux keufs en moins, c'est la couille molle qu'on récupère. Quoi, qu'est-ce que t'as dit, toi? Ça t'amuse, hein, c'est ça, hein? Ta gueule, Bola! Lâche ça, abruti! T'appelles ça tenir ton équipe? T'es tout seul maintenant. Si tu veux maintenir notre accord, t'as intérêt à calmer ta susceptibilité. Je suis sûr qu'elle est vivante. Si c'est vrai, j'espère pour toi qu'elle a des couilles. L'épaule, cette salope. Tu peux marcher? Ouais. Putain de merde! Bougez pas! Lâche ta ferraille, bonhomme, je suis pas comme eux. Bouge pas, je te dis! Aussi, je leur ai foutu une branlée. Ça fait du bien, non? Hein? On se croirait revenu à Gengelfou! Vous en avez cramé combien? Des jambes, là! Vous en avez cramé combien?
Ouais, moi, je peux pas dire, parce que... Peut-être une bonne demi-douzaine, je pense, mais bon, je commence à me rouiller un peu avec l'âge. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Je garde le poste, qu'est-ce que tu crois? J'ai pas vu le bordel dans l'escalier. Je peux vous dire qu'ils l'ont senti passer la cocotte minute. Fabrication artisanale. C'est que j'ai plus de grenades depuis 64 mois. Vous habitez l'étage? Ouais. T'es fait morte, toi, hein, c'est ça, j'ai raison, hein. Il va falloir faire quelque chose pour cette vilaine blessure, là. Allez, viens, moi, je sais ce qu'il faut faire, suis-moi. Hé. Je sens pas le viol, moi. Prends-lui son flingue. On va essayer de retrouver les autres. Oh là, disons, ils l'ont pas raté. Aïe, putain! Alors, c'est qui la baltringue, là, hein? Ça va? Me touche pas, toi! Allez, bouge pas, le manouche. Là, faut pas que ça te gangrène, ton truc, là. Comment il m'a appelé, là? Ah, laisse tomber, pour une fois que le café est utile. De quoi? Putain, mais... Mais pourquoi c'est lui qui me soigne d'abord? Parce que j'ai une gueule d'infirmière, moi. Tu sais faire un garrot, toi? Ça va. Hé, hey, papy Brossard, t'aurais pas plus fort que ta petite gnole, là? Ah, doucement, putain! Qu'est-ce que tu fais? Ben, je dois te couper la jambe, mon gars. Quoi? C'est quoi cette connerie? Ben, si tu la laisses pourrir, tu vas finir comme les jaunes. Ben, je vais te couper la jambe, tu t'inquiètes pas. Essaye un peu pour voir. Oh, c'est bon. Et c'est toi, bon. Te mêle pas de ça. Attends, il a peut-être pas tort, tu sais. Ouais. Ta gueule! Non, non, mais il faut que je lui coupe la jambe, c'est le seul moyen. Hein. Personne touche à ma jambe! Oh, du calme. Ah, ben, attends pas de ça. Hé! Hey. Tu dégages, papy. Non, mais je dois lui couper la c'est jambe! Bon, c'est bon. Qu'est-ce que tu mec vas faire, toi? Qu'est-ce qu'il me raconte, lui? Quoi, quoi? Dis donc, qu'est-ce que t'as à me dire? T'es fou, on quoi? A pas le choix! Faut lui couper la jambe! Tu vas rien couper du tout! Allez, coupe-lui la jambe! Sors ta jambe! Sinon, je te dirais pas qu'il faut lui couper la jambe! Malade le vieux, là! Tu vas rien faire, je te dis! Personne touche à ma putain de jambe! Ça suffit, vous la fermez maintenant! Ouais, il aurait pas dû te dire ça. De quoi tu parles? Rivolan, c'était pas ta faute. Ouais, mais fallait y penser avant d'ouvrir ta grande gueule. Tu sais, mais quand Wes a appris que t'étais enceinte, il a pas pu s'empêcher de croire. Quoi? Que je l'avais fait exprès? Vous me prenez vraiment pour une salope? J'ai jamais dit ça, arrête. C'est pas ma faute. C'est pas ma faute. Je regrette ce qui s'est passé, c'est tout. Attends, tu regrettes? Mais tu crois pas qu'on a autre chose à foutre, là? Tu veux que je te dise?
Je m'en fous de tes excuses. Et ta pitié, tu peux la foutre au cul. J'ai de compte à rendre à personne. Je n'ai rien à foutre de toi. J'en ai rien à foutre de Wes. J'en ai plus rien à foutre de toi. Qu'est-ce que tu fais? La seule chose qui compte, c'est ça. Ça, t'as pas le droit de me faire ça. Attache-toi, je te dis. Tu peux pas me laisser là. Si tu me laisses ici, je vais crever. Je veux pas crever ici. Attache-toi. Je veux pas mourir. Je te supplie, oh, je veux pas mourir. Mais t'es déjà mort, Tony. Et t'excite pas là-dessus, bonhomme, ça marche plus. Merde. Tu ferais mieux de t'occuper de l'autre manouche là-bas, parce que je peux te dire que son état va pas s'améliorer. Il va bien, je te dis. C'est pas un manouche, ok? Ah bah comme tu veux, mais moi ce que j'en dis, hein, c'est parce que je les ai vus faire, les bestioles. Mais quand ton petit copain va virer jaune, va falloir sérieusement s'occuper de son cas. Oui, parce que c'est contagieux, ces bêtes-là. Tu me fatigues, le vieux. Dis donc, comment tu m'appelles, l'astico? Arrête, Bola. Allez, va. Laisse tomber, va. Bah, j'ai été jeune, moi aussi, là. Et puis, pour un petit freluquet, hein. Gay. Qu'est-ce qu'on fait, maintenant? Ça va, mais calmez-vous. Oh, en sécurité, ici, j'ai fermé la porte. Et j'ai une petite poire, là, dans la réserve. 15 ans d'âge, hein? Qu'est-ce que vous en dites? Je vais pas la boire tout seul. C'est pas contraire à ta religion, au moins. T'inquiétez pas, je suis pas croyant. Et appelle-moi René, hein. Et puis la religion, c'est une assurance contre la mort, non? Eh bien, on n'en a plus vraiment besoin aujourd'hui. J'ai pas raison. C'est hardcore, ton truc. Comment tu dis? C'est hardcore, c'est brutal, quoi. Hardcore? Ah bah purée, je suis plus à la page, moi. Bah, tout ça pour dire que ça fait quand même plaisir de voir qu'il y a encore des gars comme vous. Allez, allez à la vôtre. Et toi, l'ancien? C'est pas ici que t'as appris à fabriquer une bombe. Elle est sortie comment? J'ai le cuir tanné, mon gars. Puis je peux te dire que moi, j'ai été à bonne école ici. T'aurais connu ma femme, la Clémence, t'aurais moins fait le mariole. 120 kilos de bidoche au bas mot, des nichons jusqu'aux genoux. Et Jean Bonneau à la place des battoirs, il fallait quand même pas lui mettre une paluche au cul, hein. Oui, on rigole, on rigole, oui. Elle n'a pas l'air commode. Ah, ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Non, mais attends, sérieusement, hein, quand tu viens ici, t'as pas le choix. Il faut se les accrocher à la cravate si tu veux qu'on te fasse pas chier. Oui, comme partout, hein. T'as toujours des petits cons qui veulent faire la loi. C'est bien le problème. Non, non, mais attends, moi, je me plains pas. Hein. Bon, la Clémence, elle supportait pas le coin, mais moi, ça m'a jamais gêné. Hein. Bon, c'est vrai que ça ressemble plus à grand-chose maintenant, mais... Hé, hey, quand t'as fait l'indo, c'est pas trois Pékins qui vont t'empêcher de dormir. Hein. Des pour lesquels? Cache pas l'ambiance, flicard. Quoi? Sans rire? T'es de la poulaga? Oh! Et t'es venu faire quoi tout seul, là? Il est venu se faire justice. Je suis venu pour limiter la casse. Mais ça s'est pas passé comme tu voulais, hein? Oh là là! Hé, hey, regarde autour de toi, le monde. Ça fait longtemps qu'il est parti en vrille. Les jaunes dehors, c'est pas les premiers à foutre le bordel dans la cité. C'est
30 ans qu'on se bouffe toutes les merdes ici. Alors c'est pas ton numéro de Mère Teresa qui va changer grand-chose. Et non, tu sais la vérité, hein, je vais te dire. Hein. J'étais venu ici, hein. C'est parce que t'es comme nous. C'est parce que t'as envie d'être en première ligne. Parce que ça t'excite, pas vrai? Hein? Ça t'excite? Ça t'excite. Mais plus fort, j'entends rien. C'est vraiment un blackout absolu dans lequel on se trouve en ce moment. Je trouve d'ailleurs parmi les quelques centaines de rescapés ce même carnage. Alors, on vient de me dire qu'un plan d'urgence vient d'être mis en place et le centre-ville est désormais inaccessible. De rejoindre les soldats chargés d'évacuer les survivants, tous regroupés en périphérie de la capitale, vont maintenant être convoyés au plus vite à la base militaire de Villacoublay, désormais placée en quarantaine. La capitale ? Et nous, on se fout au cul, plan d'urgence ? Je m'appelle Aboudia. Par l'escalier, je veux dire que c'est impossible. Alors vous m'écoutez, vous m'écoutez pas. Je me tue à vous dire que c'est pas parce que j'ai laissé une entrée que ça fait forcément une sortie. Vous voulez vraiment vous taper les 8 étages à pince avec toutes ces vieilles peaux qui viennent le bouffer? Moi, je vous dis, le mieux, c'est de descendre direct et puis de se calter vite fait. Attends voir si j'ai bien compris, là. Tu veux qu'on descende par la cage d'ascenseur avec mon pote José blessé à la jambe? Tout ça sans compter tous ces enculés qui veulent nous bouffer les couilles. Qu'on aille rejoindre une base militaire paumée dans la cambrousse pour finir par se faire enfiler sous les douches par des putains de bidasses qui vont prendre mon petit cul de blague pour un garage à bite. Mais tu te fous de ma gueule? Si on reste là, on est mort, Bola. Mais t'entends pas? On sait même pas combien ils sont dehors. Bah, avec ce que j'aurais mis dans la gueule, hein, il doit faut être beaucoup. Hein. Bon, je m'occupe des portes de l'ascenseur. Mais tu remontes jamais, toi. Hein. Tu veux sauver ta peau? Alors tu fermes ta gueule et t'écoutes. C'est toi qui vas m'écouter. Tu joues pas les petits chefs quand t'as même pas les couilles d'aller sauver tes potes. Bon, voilà, c'est pas le moment. Tu t'es fait une copine ou quoi? Tu vois pas qu'il veut nous niquer? Marcoudi, dis à ton connard de frangin de me lâcher. Bola, je m'en bats les couilles. Je vais me faire ce flicard de merde, puis je vais me faire le petit vieux qui sent la pisse. Bola! Passe-moi cette putain de coque! Bon, j'y arrive pas, ton truc, là. Attendez, je vais vous aider. Tiens, prends ça. Quoi? Vous êtes obligé. Après ce que j'ai fumé chez les jaunes, hein, je peux te dire que son sucre en poudre, là, c'est de la gnognotte. Hein. Les vieilles peaux, c'est l'heure du suppositoire! Bah, qu'est-ce qui se passe? J'en avais désingué au moins 3.
Ils emmènent les cadavres avec eux. Bah, pour faire quoi? Donnez-moi votre pied de biche. Alors, qu'est-ce que tu peux me faire, sale putain? T'as pas l'air conne maintenant, hein? Oh! Oui! J'ai quel mal? Hein? Tu vas faire quoi, toi? Je vais faire quoi? Non, pourquoi, hein? Allez! Tu l'as pas raté, lui. Tiens! Et si on se faisait la petite poulette? Hein? Les gars? Je suis sûr que tu vas aimer ça. Oui, elle va suivre les Regarde-moi ça. Regarde ce qu'elle est capable de faire. Cette petite pute va. Oh, regarde, oh là, hey, le petit prof du deuxième. Alors, on se faisait le petit prof? Hein? Vas-y. Vas-y, mets la langue. Mets la langue, je te dis. Mets la langue. Allez! Allez! Attends, allez! Attends! Allez! Vas-y! Vas-y, tire la langue! Allez! Allez! Oui! C'est ça! Vas-y! Tu veux la grosse saucisse à René, hein? C'est ça! Ça t'amuse? Mais qu'est-ce que tu me racontes? Tu me réponds quand je te pose une question! Ça t'amuse ce que tu viens de faire là? Tu te prends pour un dur? Hein? C'est ça, tu te prends pour un dur? Arrête, t'as dit! Tu te prends pour un dur? Hein? Tu te prends pour un dur? Quoi? Tu veux que je raconte à tes petits copains ce qu'on nous faisait au pays? T'as déjà oublié? Ton frère va nous poser problème. Fais attention à ce que tu dis, toi. Il a pas le droit de te parler comme ça. Oh, merde! Tu m'entends? Faut que tu réagisses, Paula. Elle a de beaux restes. Toi, tu me fais peur, toi. Pourquoi? Tony! C'est rien, ça va. Oh, quoi, Aurore? Oh. Elle est où? Elle a essayé quoi? Mais qu'est-ce qui te prend? T'es complètement malade! On pouvait pas lui faire confiance. Mais t'es taré, bordel! Lâche-moi. Il allait devenir comme eux. Mais il était pas mort! C'est toi qui viens de lui foutre une balle dans la tête! Tony.
Il faisait partie de la famille, bordel. Mais vas-y, pute là, qu'on en finisse. Elle a fait ce qu'elle avait à faire. Ta gueule! Tes états d'âme, tu te les gardes pour toi, flicard. On a besoin de tout le monde. Laisse-la. Il fera rien. Je fais partie de la famille. Viens m'aider, toi. Qu'est-ce que vous, connard ? Tiens. Oh, 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 oh ! On se calme, les jeunes ! Écrase ! Qu'est-ce que tu fais, Bola ? T'as l'air bien t'entendre avec ces fils de pute. Alors crève avec eux. Prends leur matos. C'est ce connard qui t'a monté la tête ? No fit trust him. Mon ami, your brother. Mon frère, mais j'ai plus de frère. Ça fait des années que tu me prends pour un putain de larban. C'est fini. Elle avait raison, maman. Tu penses qu'à toi. Tu penses qu'à toi. T'es pas fiable, Bola. Tu le sais, je le sais. Si j'avais pas été là, tu serais déjà au cimetière. C'est pas ce gitan à la con qui va te faire sortir d'ici vivant. Laisse tomber, Bola. T'as qu'un seul frangin ici. Et c'est moi. Tu sais que tu vas pas faire long feu, toi, hein, hein? Tu le sais, ça? Écrase, vieux con! Tu n'arriveras pas sans moi. Au contraire, Adé. C'est sans toi que je peux y arriver. C'est sans toi. Je t'ai dit que j'aurais dû nous couper la jambe, l'autre manouche. Il serait pas allé bien loin. On peut pas rester là! Il nous faut des armes, merde! Attendez, il faut aller chez le gardien! C'est un maniaque de la gâchette, s'abruti! Allez, venez, c'est par là! On n'y arrivera pas sans eux! Wes! T'es tout seul maintenant, Marconi. Alors si tu veux maintenir notre accord, il va falloir que tu me fasses confiance. Hey!
vous l'avais dit. Il y a de quoi bousiller un régiment là-dedans. Prenez. Hey. Oh, je vais en faire valser les roubignoles avec ça, moi. Oh, ma beauté. On va leur cramer les cacahuètes. Hey, dis donc, gamine, t'as le profil d'une pétroleuse, toi, maintenant, hein? On se calme, ma belle. Ne te fais pas d'illusions, Marcoudi. J'ai jamais oublié pourquoi je suis venu ici. Moi non plus. Allez, on y va. Attends, attends, attends. Plus besoin, moi, de ton cache-bite, là, hein. On va y aller, Ficard. Je suis prêt. Oh mon Dieu, non. C'est pas vrai, c'est pas vrai.
Putain, on est coincé! Attends, 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 faut que je me repère! La cave, la cave! Viens, allez, on peut passer par la cave! Allez, venez, venez, venez! Je vais les retenir de ce côté. Tu vas pas faire ça, fiston! Laisse-le faire. T'es pas obligé de faire ça. Occupe-toi d'elle. Barrez-vous maintenant! Barrez-vous, bordel! Je te rappelle que le flicard vient de crever à cause de tes conneries. On n'avait pas besoin de lui. Hé ! Il s'est sacrifié pour toi. Je m'en fous. Thank you.
C'est là qu'ils traînent les cadavres? Ça ressemble à une fosse commune. Non. C'est leur garde-manger. Ah bah, y a de quoi becter. D'une crise cardiaque, moi.
plus.